Eh bien bonjour à tous. Alors, bon, on a été faire un tour parce qu'on va vous faire un petit reportage avec Eric là sur une chose qui se passe. D'accord. Alors voilà où on est. Voilà où on est. C'est juste pour vous expliquer quand même le ridicule des choses. Hein. Donc nous avons un monsieur qui a une petite chahute, hein, vacciné pour pouvoir travailler parce qu'il n'a pas le choix. Sinon il ne peut pas travailler. Donc il a mis ses chaises à 5 mètres les unes de... Là il y a le Pérou. À 5 mètres les unes des autres. Et la préfecture, qui est venue tout à l'heure, lui casser les couilles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour le pass sanitaire. D'accord ? Alors que, si on voit là-bas, si vous voyez là-bas, il y a des tables qui sont fixes, hein, avec des bancs, pour qu'on puisse pique-niquer. Donc là-bas, s'ils prennent ici, qu'ils vont là-bas, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. S'ils prennent ici et qu'ils mangent sur les chaises, il y a besoin d'un passe sanitaire. Alors moi, je pense que les préfets, quand même, vous allez avoir du souci à vous faire, à mon avis. Hein. Réfléchissez un peu à ce que vous faites, parce que là, c'est n'importe quoi. Voilà. Bon, les amis, on va rentrer, on va préparer le petit reportage. Vous allez voir, ça va être assez sympa pour ceux que ça intéresse. Et puis moi, je vous dis peut-être un direct ce soir. Ciao, ciao.